Mesdames et messieurs, je déclare ouverte la cérémonie traditionnelle de présentation des chars pour la 60e édition du Carnaval d'Albi. Une 60e avec nos défilés des dimanches 15 et 22 février. Le mercredi 18, la journée des enfants. Le jeudi 19, un dénonçant. Le dîner spectacle du samedi 14, soirée de la Saint-Valentin, avec les reines. Nous sommes dans la semaine des mardis gras et nous attendons TF1 et le passage dans le journal de Jean-Pierre Pernaut. Nouveauté, la grande soirée DJ de Fun Radio Live au Cénith le samedi 21 février et une exposition de notre histoire dans le hall de Cinéma Vida du 14 au 22 février. Si notre carnaval reste fidèle au carton-pâte, la matière de nos chères et grosses têtes que vous allez découvrir dans un moment, il est attaché à ses belles chairs et d'os, la reine et ses dauphines. Robert Fabre, président d'honneur, notre historien et Paul Bigou, travaillent à un nouveau film sur le carnaval, où elles auront toute leur place. Une partie du tournage aura lieu ici même, sous vos yeux, et vous y participerez en compagnie des reines d'antan qui ont bien voulu revenir vers le carnaval. Le film sera projeté à la salle Arcé de la scène nationale le jeudi 19 février à 15h et à 22h. Robert Fabre va vous présenter les reines d'avant et que je remercie ici de sa présence. C'est toutes les aventures quand même qui leur sont arrivées dans le carnaval d'Albi, comme l'a dit Bernard Hatt, le président, des pelles de chair et d'os dans l'univers de carton-pâte. Alors, vous êtes là, Carla, la reine 2015. Sa première de fille, le Seigneur, et puis avec vous, j'espère que vous êtes très élus, hein, il y a des reines d'avant, des reines d'antan, et je vous présente, j'en profite pour présenter Madame Suzanne Talazac, qui s'appelait à l'époque Suzanne Ferral, et qui a été la reine de 1957. Alors 1957, c'est une année un peu particulière, puisque c'est la renaissance du carnaval, elle a commencé recommencé en 51, et en 57, il n'y avait pas encore vraiment d'élection. Racontez-nous ça. C'était passé à l'hôtel Chiffre, on était reçus, on nous présentait des petits gâteaux et puis c'était. Et après, les gens votaient pour nous. C'est donc le jury, c'était le comité lui-même. Le comité lui-même, oui. Merci de votre venue, madame. Alors, Alessia, on ne la présente plus, Alessia Trouan. Pour elle, le carnaval, ça a été presque un tremplin, en tout cas, sa carrière continue. Alors, Alessia, c'était en 2009. L'élection des reines revenait à Albi après une longue interruption. C'est la première reine à nouveau élue à Albi. Et depuis, elle est dans le carnaval. Alors, Alessia, évidemment, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce carnaval pour y être aussi fidèle? Le côté familial, hein, qui revient toujours, et ce côté festif. On est toujours là. Et... Voilà, toujours avec grand plaisir. Voilà, elle est là, elle est toujours là. Alors, on vous remercie tous pour ce moment d'attention. Et maintenant, vous allez découvrir les chars et... avec les associations, avec les autorités. Je salue Madame Le Maire qui vient d'arriver, de Daniel Godefroy, le conseiller municipal délégué au carnaval. À vous pour la fin de la soirée. Parce que c'est la première fois effectivement que j'ai les honneurs du carnaval. Et vous remercier toutes et tous les bénévoles, parce qu'il a fallu les construire, tous ces chars, et maintenant il va falloir les faire vivre. Vous savez que les Albigeois vous attendent avec impatience. Donc merci à toutes et à tous. Je crois que plus que jamais cette année, vu la manière dont a commencé l'année, on va avoir besoin de rappeler un certain nombre de valeurs, et les valeurs de convivialité, les valeurs d'accueil, les valeurs de respect qui sont les vôtres. Merci de les porter comme vous le faites, parce que c'est important, et objectivement on est très fiers de ce que vous faites, donc il faut continuer au moins encore pour les 60 ans à venir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Pour fêter son 60e anniversaire, le carnaval prend son envol dans le ciel bleu azur et décolle vers les étoiles. Un magnifique gâteau d'anniversaire, la cathédrale tout en chocolat dégoulinant de crème. Diablotins et diablotines sont prêts à décoller pour le défilé 2015. Même si ses ailes étaient de cire, même si elles ont fondu au soleil, et même s'il a chuté, le roi Icare symbolise nos rêves d'envol et de liberté. Escorté par ses fidèles oies blanches et ses canaris, il survole dans un grand bonheur le défilé. Ce sont nos premiers modèles, tout ce qui vole et s'envole. Petites bêtes, fées, oiseaux, mais aussi graines et papillons. Magique mais fragile. Léonard de Vinci, célèbre peintre, artiste, inventeur, y avait déjà pensé au XVe siècle avec ses machines volantes les plus folles.
Carnaval y a puisé son inspiration pour réaliser son spécimen de bois. Le vélo volant écolo, silencieux, il peut survoler collines et plaines en toute sérénité. Hommage à tous les premiers aviateurs, aventuriers et aventurières sans peur, passionnés du ciel, qui ont ouvert la grande page de l'aviation avec leurs aéroplanes de papier aux formes les plus extravagantes et les plus poétiques. C'est en 1783 que les frères Montgolfier ont fait décoller leur ballon à air chaud. Aujourd'hui, multiforme, multicouleur, la Montgolfière s'offre en spectacle dans le ciel. Gonflée à bloc ou tête en l'air, c'est toujours du sourire et du rêve. Au pays des éléphants roses, des arcs-en-ciel, des parachutes dorés, notre président est porté par tous les vents. Mais attention à l'atterrissage. Face à l'infini du ciel et de l'espace, le véritable envol est sans doute dans la volonté de réaliser de grands projets communs qui réunissent les hommes au-delà des frontières. Un jour, peut-être, par la voie de l'aviation, notre planète deviendra un grand village haut en couleurs et riche en diversité. Voler est un super pouvoir donné à un grand nombre de nos super-héros. En super-héroïne pour 2015, Steph, mère d'Albi, donne le ton pour notre super carnaval. Nos reines les ont rencontrés pour vous, ces petits hommes verts aux quatre yeux courtois et poètes. Avec eux, c'est sûr, car ils ont la même verte, le printemps va revenir.